Look, before you say anything, yes, you read the title correctly. I mean, we're about to review food from Fontaine. If I'm ever gonna speak French, it's now. So without further ado, let's do this. Bonjour mes amis, bienvenue à la vidéo la plus culturelle de toute ma chaîne YouTube. Parce que c'est en français bien sûr. Je pense qu'on est tous conscients du fait que la communauté Genshin est obsédée par la culture française. Parce que sinon, comment est-ce que t'expliquerais ça? Mais regardez-moi ça, mais c'est quoi cette merde? Une baguette? Mais il la tient même pas correctement! Avec sa moustache de merde là. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Mais c'est aberrant! Oh oh oh, traveler! Oh oh! Tu penses c'est rigolo ça? Tu penses c'est marrant? Je rigole pas moi. En tout cas, grâce à cette obsession de culture française, je pense que personne n'est choqué de savoir qu'une des régions d'Angenshin est basée sur la France. En fait, Fontaine, c'est la France. C'est exactement la même chose. Et je suis sûr que la majorité des Français vont être d'accord avec moi. En fait, viens, on les demande. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la France, c'est Fontaine? Ouais, je pense pas qu'on aurait une réponse aujourd'hui, ou demain, ou après-demain. En fait, ils font ça tous les jours, donc... ouais, donc on va juste totalement oublier ça. Tu sais quoi, j'ai pas besoin d'eux. Je peux répondre à cette question tout seul. Parce que aujourd'hui, je vais donner mon avis sur les recettes qui sont venues avec Fontaine. Pour voir s'ils sont assez français ou s'ils n'ont pas le droit d'exister. Donc allez-y, on commence. Donc la première recette, oh ouais. Oh ouais, mais c'est parfait ça, le confit de canard. Mais ça, c'est français, c'est la base d'être français. C'est vraiment, on peut pas être plus français que ça. C'est un 10 sur 10, le confit de canard. Mouah, parfait, on commence bien là. Je suis très content. Oh ouais, la foie gras, mais ça c'est... ça c'est purement français là. Quand on dit foie gras, on pense à la France. On pense bleu, blanc, rouge. Liberté, égalité, fraternité. C'est ça en fait. Donc encore une fois, 10 sur 10. Très bien Fontaine, très bien. Puis après ça, on a bien sûr la madeleine. Mais c'est trop bien ça. C'est bien sûr un dessert qui est très connu en France. Ça aussi, un 10 sur 10. Mais ça sera tout parfait ou quoi? C'est très bien, c'est vraiment absolument excellent. Mais c'est quoi cette merde? Mais tu rigoles ou quoi? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai... Fontaine? Mais vous êtes fous ou quoi? La lasagne c'est français depuis quand? Vous avez introduit le spaghetti et les pizzas dans Monster avec les Allemands là, avec leur choucroute et avec leurs saucisses. Mais pourquoi vous faites ça à Fontaine? Mais c'est une blague ou quoi? Non, mais c'est un zéro. C'est un zéro quoi, c'est un zéro. C'est Fontaine, pas italienne, fils de p***. Hein? Je vais totalement faire semblant que ça existe pas ça. Parce que là, c'est une catastrophe. Mais c'est quoi ça? Mais t'es fou? Ok, là c'est beaucoup mieux déjà. Ça a l'air français. Ok. Je sais pas s'il y a un plat qui s'appelle Vessi Chicken. Ok, mais ça va. Ça va, c'est beaucoup mieux que la dernière. 7 sur 10. Ok, suffisamment français. Merci beaucoup. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais t'es fou. Quoi? Fish and chips? Mais non, c'est pas une erreur. Mais non, t'es fou ou quoi, toi? Mais t'es fou ou quoi? Mais c'est une blague? Tu te rends compte qu'on les Français et les Anglais, ils s'aiment pas du tout? Mais tu fais quoi, là? Oh non, mais c'est la Chine, là, qui essaie de faire une troisième guerre mondiale. C'est la seule explication, mais t'es fou? Mais c'est pas un 0 sur 10, c'est un moins 10 sur 10. Mais c'est quoi cette merde? T'as détruit toute la région à cause de ça? Mais c'est quoi ça? J'ai même pas vu une baguette encore à jouer à un fish and chips. Mais c'est inacceptable. Oh mais putain. C'est quoi cette merde qui vient de Pizza Hut ou Domino's? Garlic baguette, mais elle est où la baguette traditionnelle? À 1,5€. Mais t'essaies de faire quoi là? Hein? Tu penses que t'es marrant? Tu fais une région basée sur la France, t'as même pas une baguette traditionnelle encore? Même pas un croissant? J'espère que la prochaine recette sera française. C'est tout? C'est fini? Oh mais non, mais t'es fou ou quoi? Tu fais une région basée sur la France, il y a même pas de baguette, il y a même pas de croissant, pain au chocolat, chou à la crème, éclair au chocolat, flore traditionnelle. Comment est-ce que tu vas faire une région basée sur la France et la seule baguette que t'as est un chien de merde au début? Comment? Mais c'est une blague ou quoi? Elle est où la baguette traditionnelle? C'est pas un chien! Tu fais toute une région à Sumero, tu fais toute une région, tu lui donnes du shawarma, tu lui donnes du baklava, tu fais tout. Tu peux même pas donner une baguette traditionnelle en Fontaine. Putain, non, oublie tout ce que j'ai dit, hein. Fontaine, c'est pas la France. Fontaine, c'est une blague. 0 sur 10. 0 sur 10, il a même pas une baguette. Même pas un croissant.
Tu sais quoi, je pense qu'après ça, je vais participer aux manifestations avec les autres Français, parce que là, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. En tout cas, merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. And I'll see you next time. In English. Permanently. Au revoir, traveler.